Hey, salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Et c'est la mort, je n'arrive pas à rentrer chez moi. Ok, c'est bon. Et on va passer, nous sommes le 31 octobre. Oui, c'est alors je On va continuer donc les missions. Tout simplement, mission de réfection de maison. Sauna et développement immobilier. On va le faire, je crois que c'est la dernière mission qui est assez longue. Ça, je vais le faire en dernier. Du coup, je vais faire la salle de bain et atelier. De Marilyn Cousin. Notre grand-mère, qui habitait avec nous depuis des années, est décédée. Sa chambre est vide depuis plusieurs mois et mon mari et moi avons décidé de la refaire. Mon mari a besoin d'une pièce pour ses outils et moi, je rêve d'une salle de bain supplémentaire parce que, bien que la maison soit assez grande, nous n'avons qu'une salle de bain. Nos enfants grandissent et le matin, c'est compliqué quand on ne peut pas se servir de la salle de bain parce qu'elle est occupée. Débarrasse toutes les affaires de la chambre de la grand-mère. De la grand-mère. Notre grand-mère. En fait, on ne sait pas de qui c'est la grand-mère, en fait. C'est cool. Ça devrait donc être facile d'installer tout ce qu'il faut dans la nouvelle salle de bain. Je voudrais que la nouvelle salle de bain soit élégante et pratique. Ouh, quelle belle maison! Il n'y a pas à dire, hein. Elle a l'air grande, grande, grande. Et oui, on est riche parce qu'on est à 156 000 euros de budget. On va pouvoir se faire plaisir pour les prochaines maisons à acheter. Alors, modifier les murs, monter les équipements, meubler les pièces. Ok. Mais c'est pas ici, bien sûr. Alors, ça doit être là. Ah oui. Parce que je regardais la minimap, alors si en plus. En plus! Ah! Ça, c'était la chambre de mamie. Ils veulent qu'on ferme ça et il faudra enlever ça. C'est sympa quand même, hein. On a le truc de la cuisine comme ça. Bon, c'est un peu vieillot, mais ça le fait. Voilà, modifier les pièces. On est parti. On va construire du mur. Alors, si ça commence bien. Voilà madame. Voilà monsieur. Voilà mademoiselle. Voilà jeune homme. Voilà jeune fille. Mais non, hein. Madame, il va falloir bouger la chaise, hein, parce que là, elle nous enquiquine. Bon, fuck. Voilà. C'est comme ça. Oui, donc j'en étais avec le mur. Et voilà, nous avons accompli déjà une tâche. Modifier les murs, c'est ok. Enlever l'objet 7 cadres. Donc on va enlever les objets de mamie. Et il y en a encore un. Où ça? Là? Deux plantes. Oh non, elles sont belles les plantes. Oh. Vase. En fait, on va tout enlever, hein. Oh, mamie. Lampe à poser Orient, commode classique, buffet de salle à manger. Buffet de salle à manger. Ah oui, ça aussi. Canapé Litoni, tabouret style. Et placer l'objet. Ok, alors c'est juste que ça. Je vais devoir le bouger. On va ouvrir la porte. Tata. Excusez-moi, monsieur. Je suis pas là avec la chaise. Je vais la remettre dans la pièce d'origine qui est donc ici, évidemment. De toute façon, je pense qu'il va falloir la virer, mais en attendant. Donc, je pense qu'ici, ce sera l'atelier pour. Par contre, elle n'est pas droite, votre pièce. Ouh, je suis bourrée là. Non? J'ai l'impression que ce mur-là, il n'est pas droit du tout. Je sais pas. Je suis peut-être ébouée. Hein. Placer l'objet chaise élan. Chaise élan. Ah oui, ils ont fait une mise à jour avec la tablette. Waouh! Waouh! Ah oui, d'accord. Ben, ok. Et puis, on a un nouveau mode Halloween. Oh, c'est trop mignon! Ah! Il y a une maison, en fait, à acheter qui est spéciale Halloween, mais moi, j'avais déjà prévu l'épisode et tout ça. Et ils l'ont fait, bien sûr, la mise à jour après, donc c'est un peu dommage.
Puis peut-être qu'elle est beaucoup plus chère aussi, hein, donc elle viendra en temps et en heure avec pour la suite. Meubles? Ok, ça doit être ça. Ouais, c'est beaucoup plus rangé, vraiment plus condensé. C'est pas plus mal. Alors, chaise et long. Ah, ça. Ah, avec les couleurs, on va prendre noir. Nous allons. Hop. Sachant qu'il y a une porte là aussi. Mais ça mène sur quoi? Ben oui, ça mène sur dehors. D'accord. Mamie, elle avait carrément sa sortie privée. Hein. Deux fois étagère de garage. Deux fois étagère de garage. Cuisine, décor, salon. Toujours. Non, dans meubles. J'avais pas vu qu'il y avait ça, armoire et meubles. Oh, c'est beaucoup mieux, monsieur. Étagère de garage. Deux fois étagère de garage, s'il vous plaît. Ah, j'ai oublié de prendre, parce qu'on peut apprendre. Mais non! C'est chiant. C'est ça, ils l'ont pas enlevé, le truc d'acheter. Ah si, acheter beaucoup. Ouais, c'est moi qui suis bête, je l'avais pas repéré. Ok. Et bureau standard. Bureau standard. Donc meuble, bureau. Bureau standard. On va le prendre aussi en noir. Et on va le mettre. Enfin, c'est pas du noir, c'est en bois sombre. Et on va mettre la chaisounette. C'est pas vraiment noir et ça s'accorde pas vraiment, mais bon. Voilà, ici on a fini la mission pour l'atelier de monsieur. Nous allons donc retourner dans l'autre pièce. Tac, 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 tac. Qui va devenir une salle de bain. Enlever l'objet cuisine d'angle équipé classique, machin truc mûche. Et ça va nous ramener 420 euros. T'as d'abord à manger. Crochet pour ustensiles de cuisine. C'est ça. Étagère pour ustensiles de cuisine. Buffet de salle à manger. Ils veulent garder celui-là. Quatre chaises classiques. Une, deux, trois et quatre. Tapis rond. Ah non, placer les... Oh, excusez-moi. Donc on garde certains trucs. On va placer le tapis rond. Ok. Tapis rond décor. Non. Ouais, bah il faut que je m'y fasse en fait au nouveau truc. Hein. Autre non. Bah, je n'est pas dans le décor? Plantes, photos et cadres. Les tapis, monsieur, ils sont où? Dans meubles? C'est où les tapis? Ah, Garden DLC, ouais. Peut-être que j'ai pas les yeux en face des trous. Tapis. Tapis vert, tapis rond Orient. On va prendre en bleu. Ah oui! On a déjà le truc. Pour faire une baignoire, s'il vous plaît. Donc nous allons acheter une petite baignoire. Je prends là celle que je veux, hein. Placer l'objet tapis rond. Bon, en tout cas, c'était pas celui-là qu'il fallait acheter. Ok, on va installer la baignoire. Alors, ok. Je savais plus comment ça fonctionne. Ok. Excusez-moi, monsieur, je n'avais pas. Oh, et pardon. Oh, et pardon. Le petit bitonio. Hop. Ok. Ouais, je me débrouille là. Je me débrouille, je me débrouille. Et eh ben voilà, j'ai fauté. Excusez-moi! Mais c'était ce truc-là, mais oui, mais il était transparent. Comment je peux le savoir? Le coffrage, et voilà, nous avons mis ce qu'il fallait. Monter les équipements. Ici, nous avons. Ah, carrément une douche, quoi. Douche et baignoire, c'est vraiment la famille de riches. Hein. On va pas se le cacher.
On va... Salle de bain. Une douche. Et puis c'est tellement chiant à installer les douches, bon sang. Ça, moi, ça me déprime. Mais oui, mais bon, non, montrez pas un truc au premier plan si c'est pas ce truc-là qu'il faut qu'on touche. Oh. Puis on voit même pas le truc, c'est affreux. La petite poignée. Oh putain. Je ne trouvais pas! Mais je vois rien, monsieur! J'ai cliqué dessus, je sais pas comment, mais j'ai fini par cliquer dessus. Excusez-moi! Oh là là! Finesse, je sais plus, moi. Ok. Un toilette. On va le compact standard. Hein. On va pas s'enquiquiner là-dessus. Hein. Encore les chiottes, c'est facile à faire. Hein. Voilà. Faudrait compter le nombre de clics en fait. Ici. Peut-être que. C'est un lave-linge, d'accord. Ouais, on a la salle de bain complète là quand même. Hein. Lave-linge, côté de la baignoire. Pourquoi pas. Ouais, non, c'est dans salle de bain toujours, je pense. Alors non, il faut que je fasse installer. Des fois c'est bien et des fois c'est chiant. Voilà, le petit tambour il roule et on remet la plaquounette. Parce qu'il faut pas déconner avec la sécurité. Sécurité. C'est bon à savoir tout ça. Le petit bitonio. Non, c'est ce truc-là. Et on resserre. On met ce truc-là. Et c'est bon. Et elle va toute seule au bon endroit. Et droit devant moi. Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais. Alors, si tu veux, s'il te plaît. Il faut mettre un petit lavabo. Par contre, vous vous démerderez. Moi, je ne mettrai pas en peinture. Hein. Toujours dans la salle de bain. Est-ce qu'on met celui-là? Ou... Celui-là, on a pas le choix. On va acheter celui-là. Bah, c'est soit noir, soit vert, en fait. C'est... Ouais, je vais mettre celui-là. Je l'avais pas encore fait. Hop, et on va installer. On met la tête dans le guidon. Sous l'évier. Oups, pardon madame. Le petit bitonio maintenant. Tac. Non, le petit truc là. Le petit truc là. Le truc là. Et voilà. Et on laisse les cadres à mamie. Placez le tapis rond. Ben oui. Mais j'en ai placé un tout à l'heure, ça t'a pas plu, hein. Tapis rond. Ah! C'est celui-là? Moi, j'en sais rien. Oui, support pour rouleau de papier toilette. Et bien sûr, on va le mettre aux toilettes, évidemment. S'il y a de la place. Et voilà, on a fini la petite mission.
Oh bah il se démerde, c'est pas moi qui vais repeindre. Hein. Là, ça va aller comme ça. Je referme comme ça, là aussi, parce que je suis une gentille fille. Moi j'aime bien faire les trucs. Voilà quoi, vous voyez. Hop, bah ça aurait été une mission courte, mais intense. Regardez les jolies fleurs. Puis les fleurs, elles poussent dans le jardin maintenant, mais comme c'est beau. Regardez, il y a des petites fleurs. Waouh! Ah non, mais ils ont fait des petites améliorations, donc profitons-en. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe chez le voisin? Eh oui! Oh, ça a l'air sympa chez le voisin! Très sympa! Oh, j'ai hâte qu'on puisse y aller! Et ici, il se passe quoi? Je sais, j'aurais pu y aller directement quand j'étais dans la maison, mais j'aime bien me compliquer les choses. Allez, go! Et on revient. Oui, non, je sais. Excusez-moi. Je reste et je vends. Enfin, je vends. Je termine la mission. On aura gagné 8000 euros, apparemment. Donc, c'est tip-top. Et on a un solde de 165 000 euros. C'est énorme! On va aller voir rapidement l'achat des maisons. Alors, la prochaine, ce sera celle-là. La maison des hôtes indésirables, ça veut tout dire. Ça va être du cafard à foison. Et puis après, on va monter petit à petit en prix, en grade. Et il y a encore pas mal de trucs à faire. Hein. Et alors, la maison d'Halloween, c'est celle-là, je crois. Bon, de toute façon, je pourrais même pas l'acheter maintenant parce qu'elle est à 196 000. Hein. Oui, c'est là. Je crois que c'est celle-là. Bon, bah, comme ça. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un like et compagnie. Et aussi à vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de House Flipper. Allez, salut!